Bien, salut à tous et à toutes les joueurs et les joueuses, c'est Peiyuko, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure de Spiderwitch. Donc là c'est l'épisode 6, on vient de se faire le troll top et donc on arrive chez Tante Lucinda. On grimpe cette échelle tranquillement, super animation au passage. C'est tellement gentil de votre part d'aller la voir, elle sera très heureuse d'avoir de la compagnie. Essayez de lui faire manger quelque chose. Nous ne l'avons pas vu toucher à de la nourriture depuis qu'elle est ici. Donc là, on parle sûrement d'une infirmière. Lucinda, vous avez de la visite. Vous voilà, ça va aller. Voilà, voilà, ça va aller. Tante Lucinda. Oh, bonté divine. Vous trois, vous êtes des Spiderwick. Je le vois dans vos yeux. Oh, elle est badass quand même. Arrête d'avoir dans nos yeux le nom et tout. Il y a une fiche qui apparaît, genre âge, date... Ah vache. Je suis Jared. C'est direct. Moi c'est Mallory et voilà Simon. Simon, ta gueule. Bonjour tante Lucinda. Nous sommes dans votre vieille maison. Non, vous devez partir. Vous n'êtes pas en sécurité, cette maison abrite d'affreux secrets. Vous voulez dire les faits? Oui, je veux dire les faits. On sait tout, tu sais. Oui, nous le savons, nous pouvons les voir. Super. Vous pouvez les voir? Ce n'est pas grave. Ils ont vu. Ah, ce n'est pas grave. Vous les avez vus, vous savez que certaines fées peuvent être très dangereuses. J'ai été attaqué dans cette maison par des créatures qui voulaient le guide de mon père. Je leur ai dit qu'il avait pris le livre avec lui quand il est parti, mais elles ne m'ont pas cru. Elles revenaient sans cesse. Alors je les ai enfermées dehors, et moi dedans. Mes petits amis ici m'ont protégé, et m'ont nourri. Oh, bonjour. Cette baie est pour moi. Ne la mangez pas. Elle a raison, si vous la mangez, vous ne pourrez plus jamais manger de nourriture humaine. Ah oui, si, je m'en souviens de ça. C'est chaud quand même. Plus de viande, les gars. C'est chaud. C'est chaud. Comment saviez-vous cela? J'ai trouvé le guide. Le voici, nous voulions vous poser quelques questions à ce sujet. Vous savez que vous courez un grand danger. S'ils pensent que vous l'avez, ils n'arrêteront pas avant de l'avoir. Vous devez vous débarrasser de ce livre. Trouvez le livre. Ok, il y a un nouveau boss, moi je suis prêt là. Attaquez. Ok, il défonce la fenêtre. Oh super, un mec à marteau. Un nain. Un nain? C'est la première fois qu'on en voit. Le livre. Même pas, le livre. Vas-y. Non, pas encore toi. Oh si, super. Oh là. J'ai essayé de pareil, j'ai pas réussi. Bon, ça c'est fait. Oh bien. C'est attaquer les deux. Alors, on va achever ça comme ça. On sera débarrassé de lui. Alors désolé pour les quelques bugs, hein, c'était pas voulu, c'était pas... Ce n'était même pas prévu. Ouais, mais une nuit sur lui... Ah non, l'autre va les bouffer. Non. On va pas faire ça comme ça. On va lancer un caillou. Bouffe-toi ça. J'arrive, il fait quand même de gros dégâts. Ça, c'est pas cool. Sauf que je pourrais pas me débarrasser de lui, t'as l'autre marteau derrière, donc... On va se débarrasser de chapeau roux. A qui maintenant peut faire de gros dégâts. Ah putain, on peut pas encore. Bon, on va continuer à balancer des cailloux alors. Bouffe toi ça. Ah non, il est une attaque trop rapide, je peux rien faire. En plus l'émulateur bug un peu. C'est ça, casse-toi. Maintenant tu vas te lamser toi. Me cause trop de soucis. Oh non, j'ai des lags. Ah, c'est pas possible. Des minuteurs qui bug, les amis. Wouah. Non, désolé. J'ai cliqué beaucoup trop tôt avec son attaque. Wouah. On forge comme ça. Vous avez pris 11 dents de gourlin. Alors, avant de continuer... Bah non. Donne-le-moi. Donnez-le-moi. Ah, il reste poli en tout cas. Ah, ok, il nous prend le livre comme ça. Oh mon dieu. Il a le kid. A l'aide! What the fuck, il y a eu un écran noir et d'un seul coup ils sont barrés avec Mallory? Ok. Ils ont Mallory! Oh non, ce n'est pas bon. Pas bon du tout. Vous savez où ils m'ont emmené? Ce gobelin était accompagné de nains. Les nains ont bâti une cité souterraine. C'est probablement là qu'ils ont emmené votre sœur et le livre. Ok, donc c'est la porte en or qu'on a vue dans le dernier épisode. Qui était l'épisode 5 si vous avez tout suivi. Pourquoi veulent-ils le guide? Y a-t-il quelque chose de si important là-dedans? Je ne sais pas, je ne l'ai jamais lu. Ah, ma lecture. Seul mon père saura le dire, mais je ne sais pas du tout où il est.
ma cité vieille, techniquement, il est censé être mort. Après. Attendez, vous voulez dire qu'il est vivant? C'est exactement ce que je disais. Oui, mes amis et mes fées me l'ont dit. Ah, ok. Ok. Il le garde pour l'empêcher de dire ce qu'il sait, de dire ce qui est dans ce livre. Allons-y, Simon. Allez, avant que j'oublie, les fées que voici, c'est comment crocheter les serrures. Prenez bien soin d'elles, et elle vous aidera. Bonne chance. Ah, ok. Elle parle d'une cité souterraine bâtie par Anna. Nous devons la chercher pour sauver Mallory. Nous lui avons déjà parlé. Ah, ok, ça se passe comme ça. Mais on peut pas passer. Jared n'a plus de vie, donc... Ok. Ok, comme ça, on va voir... On va voir notre tante, on se fait agresser, on retourne là où on était. C'est chaud, quand même. Alors, je vais interrompre deux spies, ceci, pour corriger 2-3 bugs. Ok, donc on est reparti, les amis. Point de passage. J'ai quand même quelques bugs encore. C'est pas fluide. Cette vidéo, je serais désolé, mais elle sera pas super fluide. J'en suis sincèrement navré. Croyez-moi, parce que... C'est pas agréable non plus de jouer avec un jeu qui est pas fluide, fluide, fluide. Ah, bonjour toi, comment vas-tu? Comment dire, ça va me poser problème ça. La musique aussi, elle est pas fluide, hein. Vous ferez remarquer. Je peux rien faire. Super, bon moment. Bouffe-toi ça, hein. Allez, je tente. Dommage. Merde, trop tard. Et bam. Alors, par rapport au dernier épisode, j'ai pas encore trouvé de... J'étais content de faire ça, mais c'est pas grave. J'ai pas encore... trouvé une solution pour les rochers, là. En fait, j'ai une idée, mais je l'ai pas faite, en fait, c'est tout. J'ai pas eu la flemme pour autant, c'est juste que j'ai oublié, pas pensé, tout ça. Bon, toutes les excuses que vous connaissez, quoi. C'est du banal, c'est du banal. Ah, là, on peut délivrer visiblement un esprit qui est emprisonné dans les flammes de la lumière. Ouais, c'est carrément des flammes à ce niveau-là. Des flammes magiques, puisqu'elles transpercent le sol, vous voyez. Ouf, je t'ai paré, toi, c'était beau, ça. Ça, c'était sublime. Ah bon. Ah bon. Voilà. Alors Simon, tu n'as plus de vie, mon jeune ami. Il serait peut-être temps de te régénérer. Oh, j'ai plus beaucoup d'esprit non plus, on dirait. On est passé à 9 d'esprit. C'est pas cool. Alors, toi, apparemment, ici, ça souffle. Et ça souffle beaucoup. Viens là, viens. Eh oh. Non, le bois des vents, ça passe pas. Eh oh, le bois des vents, je dis. Allez, allez, allez. On se bouge. Allez, allez, allez. Voilà. Putain, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour réussir à avoir ses esprits, donc? À ce niveau-là, je suis même plus sûr de, que de dire « Dans le dernier épisode, nous avons vu » que ça marche. Alors. Et cette phrase ne voulait rien dire, je viens de m'en rendre compte. Toi, en défense... Non, parce que sinon, on n'aura jamais suffisamment d'esprits vivants à la vitesse où nous mettent des boss. Boom. Super parade. Tu buff. Et tu fermes ta gueule. Boom. Headshot. Deux dents de gobelin. Tu vaux seulement deux dents de gobelin. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais tu devrais en valoir 5. Ouais. Et donc toi, tu me fournis aussi un rayon de lumière ou pas? Un rayon de soleil. Vas-y. Allez. Oh le... Voilà. Super. Ah, on passe à un niveau. On me conseille d'améliorer l'affinité des esprits. Y a pas de souci. Mira, c'est toujours, peut toujours être utile, même si je devrais augmenter l'attaque là. Dans la situation dans laquelle je suis, je devrais vraiment augmenter l'attaque. Alors attendez. C'était par où? Non, c'était par là. Si je me souviens bien, le truc des nains, c'était par là. Bon, c'est déjà un tout petit peu plus fluide, même si on aperçoit encore quelques bugs. Hein. Je fouille dans les pierres. Mais visiblement, il y a strictement rien, il y a trois fois rien. Là on repasse par là, non, là où on avait galéré pour les rochers. J'espère ne pas tomber sur un rocher, sérieusement. Ah ah, ce doit être ici. J'espère que Mallory va bien. Moi aussi. Non non, on espère tous qu'elle a glimpsé. Hey, oh. Faut directement utiliser l'esprit crocheteur. Ah, ça marche comme ça, sans pas les portes qui s'ouvrent. Attends, ça fait mieux de rentrer quand même.
Bienvenue dans le chapitre 3, où Mallory parvient à se sauver seule. Ah ouais, ok, donc elle, on part à sa recherche. Et elle, en fait, elle se sauve toute seule, en mode, j'ai pas besoin d'aide. Ok, ok. Arg, un boss? Toute seule, un boss? J'ai bien fait de monter son attaque. Où suis-je? Seigneur Mulgarath? Oh, tu fous le Mulgarath. Si tu as sûr que s'il est passé barreau, je te ferai ta fête. C'est un honneur de vous servir. Avez-vous ce que je vous ai demandé? Ou ai-je encore quitté mon château pour rien? Ah ouais, tu l'as encore quitté pour rien, gros. Nu. J'ai fait ce que vous avez demandé. Diable libre. Super. Ah ah. J'ai enfin le guide d'Arthur Spiderwick. La dernière chose qui me manquait pour enfin régner. Encore un qui veut régner sur le monde entier. Nous avons aussi capturé l'un des enfants humains pour vous montrer notre loyauté. Notre dévouement au régime de notre nouveau grand maître. Pas seul. Je suis peut-être un peu grand seigneur, mais je ne suis pas sûr que vous soyez de grands serviteurs. Ouh, violence. Les autres viendront pour libérer celui-là. Et alors, tuez-les. Ok, on va avoir de la visite. Chaperon, je t'ai pas dit de te casser. Super, au moins j'ai toujours cette baie que l'esprit m'a donnée. Juste au cas où, je n'aurai faim et où je ne voudrais plus jamais manger normalement. Effectivement, c'est une façon de voir les choses, Mallory. Ne serais-tu pas en train de déprimer? Ouais, vite ta tronche. Regarde, il y a de l'or partout là. Sois heureuse. Un esprit crocheteur? Mais qu'est-ce que... Mais c'est n'importe quoi là. Vous foutez de ma gueule? On m'enferme dans une prison et on met un esprit crocheteur dedans? Attends, mais vous foutez de la gueule de qui, les nains? Vous êtes vraiment cons? Putain, j'ai jamais vu des serviteurs aussi cons que ça, c'est quoi ce bordel? Ouais, super. On se souvient des conseils de Logo Gobelin qui nous disait qu'il fallait DB pour capturer un esprit crocheteur. Mais c'est vrai que quand même, les nains sont un peu buzzless là quand même. Avoir laissé un esprit crocheteur dans une prison, c'est un peu abusé quand même comme bêtise. En plus, leur porte, elle gère quoi. C'est... Je sais pas ce que c'est comme porte, mais tu peux limite t'échapper sur les côtés, tu sais. Bon, allez, je vais rien dire. Pour tout, c'est de la programmation, on peut pas faire 36 000 choses. Donc là, on voit qu'on est dans un nouvel environnement, donc on avance tout droit. Hein. En fait, c'est comme quand on est devant la maison des Spiderwick. Et on a un fond qui bouge comme ça, avec des espèces de stalagmites, je dirais ça. Stalagmites et stalactites. Bon allez, avance. Bon sang, mais où suis-je? Chez les nains. Je dois trouver le moyen de sortir d'ici avant que ces choses ne s'aperçoivent de quoi que ce soit. Avant? Attends, ils devraient être au courant quand ils t'ont filé quand même un esprit crocheteur. Enfin, je dis ça. Hein. Ouais, on va savoir. Allez. Libère-toi, petit esprit. Nous avons vu dans le dernier épisode que ça marchait pas forcément tout le temps. Allez. Petit tout sautement. Bon, il y a rien ici. Une pierre. Non, ce qui fait que Mallory, tu as quoi, toi? Allez, ouvre-moi ça. Et bah, tu as les esprits que... Enfin, t'as tous les objets qu'on j'arrête et Simon. Donc, je sais pas, les objets sont décuplés. Ça, par contre, je trouve que c'est une petite erreur. On devrait repartir à zéro. Allez. Eh ben non. Ah non, y a rien. Chez les nains, attends, ils sont radins quand même. Bonjour le nain. Qu'est-ce que c'est que ça? Un toutou mécanique? Donc toi t'es en défense, donc je vais attaquer le toutou. Hein? Il fait quoi là? Il redonne de la vie? Attends, sans déconner? Attends, faut pas abuser là. Arrête ça! Tricheur va. C'est super dur! Super, donc je commence à m'y faire au chien, c'est bon. Oh, c'est chaud, en plus ils ont une bonne grosse attaque. Hein? Attends, te casse pas! Reviens! Attends, il est où là? Il s'est barré? Non, attendez, c'est sérieux? Qu'est-ce que ce bordel? Alors, comme ça, une fois que t'as pété leur chien, ils se barrent. Quelle bombe de ta fête! Alors, ils sont là à soigner, hein, ils jouent soigneur, mais après ils se cassent, il n'y a plus personne. À sa bac, hein, sa bac vite fait dans sa maison quand même. Hein. Alors ici on a toujours rien. Dégagez les pixies. Dégagez, j'ai dit. Super, y'a plus rien. Chut, on s'en va. Alors, ah la vache, attendez, je vais me soigner parce que j'ai plus de vie là avec ces conneries. C'est chaud quand même.
Ok, donc faut d'abord taper les nains. Bon, un petit problème, mais bon. On n'est pas éclairé par la lumière de soleil ici, mais le rayon de soleil ici, mais là, il n'y a rien. Donc ouais, il y a quand même un problème. Les nains, ils se cassent comme ça, ça va pas me plaire. Bon, ça va s'il y a que le chien. T'as perdu ton maître, toi, c'est ça? Clams. En fait, ça va, les chiens, une fois que tu les as vus une fois, c'est bon. Après, pour pareil, ça va. On arrive à s'y faire plus ou moins bien. Parce qu'ils ont quand même une grosse attaque, ces toutous. 4 tanks de gobelins. C'est pas mal. C'est pas mal. J'en aurais mis 3, tu vois. Pour le... Pour les avoir tués. Et les nains, j'aurais pas mis de tanks de gobelins parce que c'est pas des gobelins. Mais bon, cherche pas. C'est la monnaie du jeu, donc... Faut pas chercher non plus. La petite bête, pourquoi y a-t-il des rayons de soleil dans une grotte? Voilà. Il ne faut pas chercher, cela fait partie du gameplay. Allez, ici y'a rien. Un nain. Donc toi, si j'ai bien compris, si je te casse pas la gueule, tu te casses. Mais si je t'attaque, l'autre va m'attaquer. M'en fous. Ah ouais, mais ce qui fait qu'il attaque deux fois, cette ordure. L'ennemi a réussi. Enfin, notre première partie terminée. Voulez-vous réessayer? Bah oui. On recommence tout ici? Oh merde, c'est emmerdant ça. Oh, c'est pas cool ça. Bon, moi maintenant je sais que... Que ça va être super chaud. On va quand même essayer de se faire les nains parce que sinon c'est pas drôle. Et surtout qu'il faut que je ramasse masse dents pour pouvoir enfin débloquer un truc. Putain, quand on va revenir voir le gobelin, on va être riche quoi. Voilà. Toi, est-ce que tu viens par là? Et toi, le nain, tu viens par ici. Alors j'ai dit, je te pète la gueule. Super, double esquive. C'est bien parce qu'ils aboient un tout petit peu avant en fait. Merde. Mais non, c'est sérieux. Oh, niveau esquive, ça demande les amis. Voulez-vous réessayer? Oui. Bon, il n'y a pas de limite de respawn visiblement, donc ça va ça. On va pouvoir mourir un paquet de fois, vous allez voir, ça va être... ça va nous faire plaisir. Je me demande combien de temps de vidéo il reste, je regarde ça vite fait, je vous laisse sur cette pierre magnifique qu'on vient de ramasser. Ah, et putain, allez. Il reste 2 minutes, les amis, 2 minutes, c'est amplement faisable. Je me demande bien qu'est-ce qu'on va faire. Parce qu'en fin de compte, on s'est fait un boss et puis on a découvert les nains, mais... Bon, on va se faire la grotte des nains entièrement la prochaine fois. Hein. Bon, cette fois-ci, je te défonce le nain. Oh non, j'ai foiré la deuxième, c'est pas sérieux ça. Arrête derrière toi là-bas. Ah ah, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas, je t'ai dit. Nickel. 6 dents de gobelin. Attendez, on passe de 4 à 6. Ouais, c'est carrément rentable. C'est vachement plus dur, mais c'est carrément rentable. Il rapporte donc 2 dents de gobelin, en fait. 2 dents. Il n'y a rien ici. Et ici, il y a un truc. Non, il n'y a rien. On était passé par ici. Ouais, bonjour le toutou. T'es tout seul, ça va alors. Clams. Super. Super. En fait non, je peux directement t'attaquer. Je sais pas pourquoi à chaque fois en fait j'appuie en bas, c'est un réflexe. Allez savoir pourquoi. Je vais essayer d'être plus rapide en appuyant directement sur l'ennemi. Ce sera plus rapide et plus sympa. Pour aussi que je branche la manette pour arrêter de tourner en rond. Pour essayer de... Pour réussir enfin les... le soulevage de rochers... d'énormes rochers dans les grottes. Super. Super. Clams. Grosse esquive. Boum. Rien de moins. Faut... Ah oui, là j'ai senti que je me suis foiré. Super. Ah ouais non mais là même mais je tue pas là. Petit soin.
Super. Ah ah ah. Merde. Oh ma vie. Oh mais il y aurait enlevé un point de vie supplémentaire, c'était fini pour moi. Et donc bon bah on a vu un peu à quoi ressemblait. Oh 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 super. Oh, oh je te tiens toi. On a vu un peu à quoi ressemblait la mine des nains. Oh, parce que c'est une mine, c'est exactement le bon, c'est le même environnement que les grottes, hein. C'est pas plus travaillé que ça. On a vu un peu, on a un peu avancé dans l'histoire, on s'est fait un petit combat entre boss dès le début du jeu. Et donc dans le prochain épisode, on verra comment Mallory se sauve toute seule le long du chapitre. Sur ce, je vous souhaite à tous une agréable journée. C'était Payuko.